the fire, burn the fire brigade. Allez, bonjour tout le monde, c'est Brom, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma 3, qu'est-ce que je raconte. La vidéo sort un peu tard, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas eu le temps de la tourner avant. Aujourd'hui on est avec Flo sur Discord, parce qu'en fait je connais personne sur le jeu, et vu qu'on va farmer, bah, c'est pas obligé d'être 100% replay, donc je me suis... Donc voilà, c'est pour ça que qu'on a été tout simplement un petit peu sur Discord aussi. Salut Flo. Bonjour. Bonjour, qui dit j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un peu de maïs. Voilà, parce que ça fait longtemps que je voulais vous montrer. Donc j'ai loué un camion, donc un petit camion. Je l'ai loué à la société de location. Simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et tout simplement, et bien du coup, là maintenant on va planter et puis ben, on ira vendre tout simplement. Donc ça va faire un petit peu une petite vidéo tranquille au kilou. On va voir, on va peut-être devoir parler avec des mecs, on va peut-être faire ci, faire ça. En tout cas, ça risque d'être plutôt sympathique. En tout cas, voilà, petit camion blanc des familles. Et je vais juste devoir mettre mon truc après, mon petit casque. Le feu est rouge, on va s'arrêter un minimum. On va respecter, et du coup, ouais, je vais mettre mon casque. Vous savez quoi? Ah ouais, merde, il faut sortir du véhicule pour pouvoir mettre son casque. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de... On va parler un petit peu de serveur, hein. Hein, Flo? Ouais. On va parler un petit peu du serveur Beyond of Life. Un petit peu comment ça avance. Un petit Flo. Donc bah écoute, ça avance bien. Vas-y. Ça avance bien, hein. Non, ça avance bien. On a pas énormément de problèmes. On a déjà les add-ons. En fait, il reste plus que le mapping, hein, en gros. Le mapping, les shops. Ouais, donc en fait, on a eu quelques soucis, hein. Je vous en avais déjà parlé, mais on a eu quelques petits soucis pour trouver la mission, en fait, parce que, comme vous le savez, bon, on est sur un métro. Et métro, bien putain. On est sur Métropolis de PKE et PKE, en nous passant la map, ne nous a pas passé la mission. C'est ça, voilà. Donc tout qu'on fasse de A à Z, et c'est génial. Et du coup, ça a posé un petit problème parce qu'on a dû donc créer la map nous-mêmes. Et le truc, c'est qu'on n'est pas des professionnels, si on peut dire ça, hein, bien évidemment. Merde, il faut que je m'avance un peu. Ah, disons qu'on se débrouille. Voilà, oui, c'est ça, on se débrouille, mais. On n'est pas non plus des professionnels dans le dev. Et les mecs qui nous ont filé donc, la map nous ont pas donné la mission, ce qui nous a posé un petit souci. Parce que après on a voulu repasser sur Malden. Et puis pour finir on s'est dit non. Donc moi j'ai un petit peu, on va dire que j'ai un petit peu poussé Flo à faire la mission. Et du coup... Pour finir, on a réussi donc, enfin Flo, en grosse partie avec Freddy, on réussit à créer la mission de A à Z, hein, on peut le dire, hein, clairement. Vous avez réussi à faire la mission complètement. Donc voilà, après on a eu encore quelques soucis de script, parce que la mission était trop ancienne en fait. Du coup on avait un problème avec la base de données qui ne voulait pas marcher. C'est ça, voilà, il y a eu un problème avec la base de données. Et puis, pour finir, maintenant, ben, ça fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas, la base de données, ça sert à savoir quelle personne a combien sur son compte en banque. C'est ça. Quelle licence il a. Par être sauté aussi. Hein. De sauter. Oui, bah en fait... Parce que de base, dans Arma, tu peux pas sauter. Ouais. Enfin bon, voilà. Enfin bon, bref, si la base de données, c'est un truc très important. Voilà, soit la base de données, c'est un des trucs. Tu fais pas grand chose si ça marche pas. C'est ça. Donc on a eu quelques soucis et maintenant on a résolu le problème. Et donc là on est donc occupé à taffer sur le mapping. Tu sais me dire si Freddy a regardé au forum ou pas? Je viens de l'essayer et ça marche pas. Marche pas? Non, il a pas taffé dessus. On s'en occupe demain, ça c'est sûr, parce que demain je suis chez lui. Donc sûr, on s'en occupe demain. Ouais. Bah du coup si tu peux essayer de le faire, comme ça on peut relancer le bazar. J'aimerais bien, mais là j'ai aucun login.
pour ça. Non, mais je veux dire demain, tu vois, vu que tu vas chez lui. Ah, demain, oui, demain c'est prévu. T'as fait dessus, ce serait pas mal, comme ça nous on... Comme ça après moi je peux mettre, parce qu'on a fait le code pénal est fini. Donc après moi je peux mettre le code pénal, je peux faire tout ce qui a terminé sur le forum. Pour info, le launcher est terminé aussi, hein, on va le dire quand même, hein, parce que on a fait un launcher aussi, donc il est terminé. Par contre il a un problème, non? Il a un petit souci là en ce moment, non? Ouais, là il est un peu en PLS, ouais. Il est un peu en PLS, mais en même temps vous allez me dire c'est un launcher. C'est toujours la merde, le launcher au début. Mais bon, une fois qu'il est mis en place, ça va mieux, quoi. On va dire, une fois que c'est mis en place, c'est tout de suite plus simple. Et après, tout simplement, on a donc... les add-ons sont terminés, donc on a choisi tous nos add-ons, hein, on a choisi tous les add-ons qu'on allait mettre. Donc c'est plutôt pas mal, ça aussi, comme ça on est fixé sur un truc, hein. On va plus changer à tout bout de champ en disant voilà, on met ça, on rajoute ça. Non, on commence avec les add-ons qu'on a mis là, et puis voilà, on terminera, on rajoutera des add-ons peut-être au fur et à mesure, on verra. Par exemple des bateaux, parce qu'il n'y a pas de bateaux, il n'y a rien de... Ouais, il y a les bateaux de pop. Ah ouais, il y a les bateaux de pop là, il faut. Ouais. Après, il faudra qu'on regarde un petit peu quels add-ons on met où. Tout ce qui est, en tout cas, tous les add-ons, à part les add-ons de Pop Life, l'économie est finie parce que moi j'ai pas reçu tous les noms des add-ons de Pop Life, enfin tous les véhicules de Pop Life, je les ai pas reçus. Ouais, en fait, y'a que moi qui les ai. Du coup, vu que j'ai pas les noms, j'ai rien, je peux même pas dire, tel prix, donc ça va falloir faire, enfin, il faudra que t'essayes de, enfin, que celui qui fait les shops essaye de faire ça en fonction de l'argent que j'ai mis pour les autres, en fait, pour ce Charlie. Selon le véhicule, ouais. Faudra regarder à ça. Ah oui, je peux le mettre, yes. Tout simplement, donc les add-ons, je vous en ai parlé. Pour ce qui est du mapping, ça a commencé ou bien pas du tout, en fait, pour finir? Flo? Oui. Ça a commencé ou pas le mapping? Pour finir. Ah bah on a commencé, mais voilà, il y a eu la connerie de Terpi. Faut que je la répare en fait. Hein, faut que je répare sa connerie. Ouais, bah au pire, bah oui en fait. Bah oui, parce que là du coup il a fait quelque chose, mais pour rien. Voilà, bah du coup tu lui dis écoute, tu vas devoir refaire la chose. Bah ouais. Bah après il y aura pas trop le choix, tu vois. À un moment donné il faut le faire, tu vois. Et puis voilà, je pense que pour l'instant tout ce qu'on a dit c'est fait. Pour ce qui est de l'ouverture, on en a pas encore. On n'a pas encore de date. On va pas mettre de date, mais là vu que ça bouge vraiment, là on va pouvoir bientôt prédire un petit peu. Si on bouge bien, je te dirais qu'à la fin du mois, ça pourrait être possible. Hein. Ouais. Si ça bouge bien, ouais. Et nous, en tout cas, notre but, c'est que ça bouge et que ça avance. Hein. On va pas vous mentir. Ouais. Nous, on a envie que ça aboutisse à quelque chose, hein, clairement. On n'a pas envie que ça tombe comme l'on dit, ou c'est tombé à mort, en fait, on va se le dire. Hop, et du coup, écoutez, moi j'ai fait un espèce de truc là, sympathique. Du coup, on va se les mettre là, les derniers. D'accord, il y a le camion là-bas. D'accord, il y a les camions qui dégagent, ok. Ah, j'ai eu peur, j'ai vu des camions bouger, j'ai fait what the fuck, qu'est-ce qui se passe quoi, frère? Si c'est des mecs qui font ça toute la journée, tu vois. Salut. Les mecs, ils ont dit bonjour, salut, coucou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. Et voilà, du coup, ça fait plaisir un petit peu qu'on avance un peu sur le serveur, hein, t'es d'accord avec moi? Ouais. Mon petit Flo.
parce que si on n'avance pas, ben, on perd de l'argent. Hein. Bah c'est clair, c'est clair. Et là, on, ouais, c'est clair. Vraiment, c'était tout à fait ça en plus. Parce qu'on on tournait un petit peu en rond en fait. On était en mode, ben, ouais. On fait quoi, on sait pas quoi faire, machin, truc. Du coup là. C'est en train de me dire, il fait quand même bosser presque toutes les vacances. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais pour au final, quelque chose qui arrive seulement maintenant, tu vois. Donc, parce que on a eu des soucis. C'est surtout la map. Le gros problème qu'on a eu, c'est la map. Hein. Oui. Enfin, la mission, quoi. La mission de la map, c'est vraiment le plus gros problème. Déjà, il leur a fallu 3 heures, 3 mois, 3 semaines, allez, pour nous répondre. Donc ça a déjà cassé un peu les couilles, hein, on va pas se mentir. C'était un petit peu casse-couille déjà. 3 semaines. Enfin, je sais pas, moi, il a fallu combien de temps? Je sais plus, justement. Mais ouais, il a fallu du temps. Je sais pas, mais il a fallu full time, hein, pour qu'il nous réponde. Clairement, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il a fallu du temps avant qu'il nous réponde et qu'il nous envoie la map, parce qu'en fait, il a fallu qu'on envoie peut-être quoi 3-4 messages avant qu'il nous réponde. Oh oui. Quelque chose comme ça, au moins, hein, j'ai envie de vous dire, donc franchement. C'est vrai que oui, pour le coup, il a été casse-couille. Hein. Ouais, ils ont été. PKE a été très casse-couille. Vraiment, vraiment casse-couille. Sur le coup, là, ça a été pète couille. Parce que nous, on se cassait le cul à essayer de faire un truc, tu vois, essayer de faire un truc propre qui avançait, tu vois, petit à petit. Mais... Eux, ils avaient l'air de littéralement s'en battre les couilles. Hop, bah écoutez, on va attendre. Si je vois bien, il y a quelqu'un sur le TS. Le TS est fait, hein, le TS est bon. Normalement, il y a encore quelques modifications à faire, non, Flo? Je sais pas. Je sais pas s'il y a quelques trucs à faire encore sur le TS, c'est possible. Hop. Et ben voilà. En tout cas sur ALF les potes, beaucoup de scripts, hein, je vous l'avais déjà dit, mais toujours énormément de scripts. Et du coup peut-être qu'on va. Hop. On va juste manger. Ah non, c'est avec le menu, je suis trop con. C'est avec le menu I, il faut que je mange un bacon tactique, voilà. Alors, il y a déjà du maïs qui a poussé, donc je vais essayer de faire là. La mini un peu comme ça, tu vois, avec le maïs et avec toi. Voilà. Hop, donc on prend notre maïs, en fait, tout simplement, c'est pas très compliqué, hein. C'est tout simple, en fait, tu viens et puis là où t'as des... Voilà, par exemple, ici, hop, il y en a de près, hop, récolté. Et puis tout simplement tu récoltes ton maïs, en fait tu cours et tu le prends et puis tu vas le mettre dans la camionnette, en fait, tout simplement. C'est pas compliqué mais c'est sympa comme script, c'est sympa comme truc à faire, au moins c'est pas simplement voilà tu plantes et puis tu donnes quoi. T'as quelque chose à faire. T'as quelque chose à faire. J'ai peur, je pensais qu'il était prêt ce petit là. Et donc ben voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est plutôt cool. Hop, donc je pense on va faire un aller-retour et puis basta. Hop. Ouais, après il y en a surtout ici pour l'instant. Pour l'instant c'est normal, hein, c'est ceux qu'on a plantés en premier qui arrivent. Même si c'est quand même un petit peu aléatoire. C'est vrai que regardez là, il y en a. C'est aléatoire parce que ceux-là c'est dans les derniers qu'on a mis, je pense. Ah, bien que. J'ai rien mis en fait. C'est pas réellement dans les derniers, mais c'est pas non plus les premiers qu'on a mis, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu aléatoire, on va pas se mentir. Hop, 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 mon coco. Hop. Et donc, voilà. Et puis on va vendre, et franchement, l'autre jour, je sais que ça rapportait plutôt pas mal. Donc j'espère que ça rapporte toujours autant. Quand vous voyez cette vidéo, donc on est le soir, on est jeudi soir, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de la faire avant, de la poster avant. Et du coup, ben voilà. Je pense qu'on va peut-être se faire un petit accéléré, le temps de récolter tout, et puis on se retrouve quand on a fini de récolter. Les potes, à tout de suite. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais, ça marche. À tout de suite, les potes.
Qu'est-ce que j'ai loupé du coup? Bah écoute, t'as rien loupé de spécial, hein. Écoute, j'ai rien dit de très spécial, vu que j'ai terminé, donc j'ai continué un petit peu de ramasser, et puis bah, j'ai dit qu'on allait faire un petit accéléré, du coup bah là, comme tu l'as pu le voir, je viens de terminer l'accéléré. Oui, j'ai entendu. Et du coup, bah voilà. Hop. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau là maintenant du coup? Du taf? Bah je m'occupe des scripts, du coup. Des scripts. Du script ou des scripts? Des scripts. T'en as acheté plusieurs? Non, j'ai pris les gratuits. Et il y a Noël qui en avait récupéré un de Longy. Ah ouais? Lequel? Ouais. Lequel il m'a dit? Je sais plus. Le mec ne sait plus qu'il m'a dit. Non mais là il est parti, mais je redemanderai. Mais je sais qu'il en a pris un intéressant. Ouais. Bref, on verra. Ce que je voulais dire. Sans doute de la merde. Pour pas changer, hein, on connaissait Flo. Exactement. Vous connaissez Flo. Hop. Ou pas. Ouais, ou pas. Ou pas, c'est vrai qu'il y a peut-être des nouveaux qui connaissent pas, c'est pas faux. C'est pas faux. Salut à tous les amis, pour ceux qui connaissent pas. Coucou les petits chats. Tu fais ça en début de. Au cours des musulmans. Oh, pardon. Tiens. Plagiat. Ça part c'est sur. Pas du plagiat. Attendez, j'ai perdu mes ronds là. Là-bas j'en ai un. Là j'en ai un. Ron Wade. Je pense que j'en ai que deux. Ron Wade, viens sur Discord au lieu d'aller sur TS là. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que vient de me dire Borom, viens sur le Discord. Qu'est-ce qui branle là-bas aussi? Bonjour à tous. Ah ben voilà. Au moment où Borom me dit de venir sur Discord, tu me dis ouais, tu veux que je vienne sur le Discord. C'est pas mal. De ouf mec. Très 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 fort. Si tu nous vois sur Discord, viens sur Discord, te casse pas le cul et allez sur TS. Moi je crois, je savais pas que vous étiez sur Discord. Ouais. Bah si, je te l'ai dit. C'est ça, encore. Mais avant que tu me le dises, je savais pas. Ouais. De mon casse-couille. Hop, allez, donc là on va aller vendre. Vu qu'on a fini notre maïs, donc on va aller vendre un petit coup là. Let's go. Anyway, c'est quel le script que tu nous as déniché? Il y a la bourse, il m'a dit, et l'autre c'était lequel? Ouais, mais la bourse, moi j'ai toujours dit que ça servait à rien, que c'était plus de la merde qu'autre chose. J'ai le truc manager, sauf que je sais pas. Faut que je le retrouve. Le truc manager, c'est quoi manager? Ouais, c'est un truc pour. Je sais plus exactement ce que c'est. Très bien. Okay. C'est génial. Le mec ne sait plus c'est quoi. T'es très utile. Génial. C'est un peu. Merci Len Wade. Je pense que t'es le mec qui nous aide le plus en ce moment là. Vraiment ouais. Ça fait un bail que je l'ai en réserve celui-là. Ok, mais c'est lequel? Ouais, j'avoue. Bah attends, je sais même
pas s'il est encore dispo. Oh, putain. Blaireau. Et je crois qu'il comme, est même... Comme Simon, blaireau. T'es un blaireau. Et tu vois, je crois qu'il est pas dispo en... et il est plus dispo sur le site. Mais on s'en fout vu qu'on l'a. Oui, on l'a. Mais du coup, il faut que je... Donc maintenant, il faut que j'aille... Hop, on va l'ouvrir et on va voir ce que c'est. Mais tu... Alors, tu es con. Le mec ne sait plus c'est quoi. C'est ça. Alors, en fait, non, je t'ai pas raconté la connerie de Simon, Enwide. J'ai peur. Alors, tu sais, hier, il devait faire du mapping. Ouais. Il a fait du mapping. Mais sur une map vierge. Mais que tiche. Après, il fait putain, mais ça marche pas, je peux pas me co, il y a zéro slot. Il va dire, ah, tant pis, je vais arrêter demain. Je fais, ouais, bon, ok. Moi, j'ai regardé, je fais, mais quel blaireau. J'ouvre la mission, je vois qu'il y a que toutes ces modifs, qu'il y a plus le spawn civil. Ça, c'est le stuff. Mais... Donc, bravo. Alors, attends. Attends. Il va nous dire, attends, mais il va nous dire de la merde. Donc, il va dire, ah, ben non, en fait, je sais pas. Voilà, c'est pour voilà manager, c'est pour les reboots automatiques. Ok, ouais. C'est un script, ça. Tu sais qu'on peut le faire avec Windows le reboot automatique. Oui, je sais, mais sauf que j'avais plus ce que c'était. Et du coup, je l'avais pris quand même. Enfin, je me suis dit, donc, ça peut toujours servir. Ouais, c'est un point bat. Alors, attends, je dis ça Windows. Oui, bah envoie ton point, envoie ton fichier. Je vais me démerder. Ouais, c'est un point. Non. Ouais, le point... Attends. Oula, oulala. Alors attends, j'ai que des DDL. Non, DLL. Ouais, des DLL, oui. Ouais, c'est un malade. Okay. Oh, attends, DLL, fichier, fais pas chier. Oh. Du JSON, XML. D'accord. DB, j'avoue, DLL. D'accord. Sinon, tu peux pas envoyer ton zip ou ton. Non. Si, je te l'envoie. Ah bah, vas-y, j'attends. Je vais te le mettre par une affaire, sinon il va pas passer. Vas-y, j'attends. Je sais pas s'il fait 500 MO de recette. Non, il va pas passer, mais s'il fait 4 kilos, il devra aller. Non, il fait pas de 4 kilos. S'il fait moins de 7 MO, ça passe. Ça passe, tranquille, clean. Ça passe clean. Moins de 7 MO. Non, à peu près. Ça doit être un truc comme ça. 51 MO. Ah oui, bon, bah, Mediafire. Au pire, mets sur le FTP. Mais mets sur le FTP sinon. Non, ça ira plus vite. Ouais, t'en fais pas chier. Mais mets sur le FTP, ça sera plus, ça sera fait comme ça. Mais. Ben non, parce que dans tous les cas, il faudra que tu le vires après. C'est nouveau ça, le site. Mets le vite en Mediafire. Putain, mais après, faut que je le télécharge et que je le mette sur le serve. Tu peux pas le mettre directement sur le serve avec le FTP. Maintenant, tu vas te plaindre de devoir le télécharger et de le mettre. Mais c'est pas comme si ça prenait une seconde pour moi. C'est pas comme si j'allais mettre une seconde à le télécharger, mais ça me fait chier quoi. Avec ta putain de fibre. 300 mégabits par seconde. Ouais, hier j'en utilisais que 200, j'en avais encore 100 de libre. Parce que je plotais les modes sur le VPS et sur la machine de jeu. J'ai regardé mon gestionnaire des tâches dans internet, c'était marqué 200. Flo, il me restait 100 mégabits. Flo, oui. Regarde dans le chat général de Beyond of Life. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi ça sert à mettre des armes de guerre ou d'armes? Je pense que ça recommence. Ça recommence. Non, c'est pas. De quoi qui recommence? Baggy. Qu'est-ce qu'il a, Baggy? Mais en fait, Johan, il a dit ah merde, enfin il a dit ah, il y a des rebelles sur le serveur, et du coup Nurek a fait oui, mais de préférence pas d'armes de guerre. Et Baggy, bah, bien sûr, il arrive, il fait du coup ça sert à rien de mettre des armes de guerre aux gendarmes. Putain, mais il fait chier lui, mais il est chiant. Il va falloir lui expliquer que les gendarmes c'est pas pareil que les civils. Et puis il faut lui dire que nous on n'a pas des batteuses. Faut arrêter. On se balade pas en batteuse nous les gars. T'imagines les gendarmes en batteuse. Mec, t'imagines ouais. Ouais, les gendarmes dans des, oh, dans des véhicules blindés là, tu vois le bazar. Ah bah qui, je vous jure, punaise, mais lui il arrêtera jamais avec son égalité entre les rebelles et les gendarmes. Pour moi, un gendarme ça a le droit d'avoir plus de trucs qu'un rebelle, c'est normal.
Mais c'est logique, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, si ça part comme ça, on vire les rebelles. Hein. Ouais, parce que moi, clairement, les rebelles, moi, j'ai jamais été pour sur un serveur roleplay. Pour moi, les rebelles, ça sert à rien. Tu mets simplement des pistolets, et puis pour braquer, et puis basta, ça fait du roleplay. Parce que moi, les rebelles, ça part tout le temps en couille. Tout le temps. Alors, après, je sais que Yvan, il a dit que les règles seront très strictes par rapport ouais, aux rebelles. Mais rien que ces règles en disant. Je vais être clair avec Baggy. Je vais être clair avec tout le monde. S'il y a le moindre souci avec les rebelles, on les dégage. Bah, clairement, parce que moi, c'est. Alors. Les rebelles, pour moi, c'est ça. A4L, il tourne très bien sans rebelles. Il n'y a aucun souci. Je pense que je vais gagner combien? 0. Sachant que c'est 175 par unité, donc on en a pas mal. Ouais, je vais peut-être me faire quoi? Je sais pas en fait. Tiens, je vais peut-être rembourser le prêt que j'ai pris. C'est pas. Ah mais merde, Unwild. Attends. Je vais même pas avoir 10 000. Sérieux gros? Je vais même pas me faire 10 000. Ah merde, que chier. Putain, ça va me relou cette histoire là. Je sais pas combien je vais me faire, mais je suis sûr que je vais pas me faire beaucoup là. Ah, je me suis fait 15 000. Ouais, du coup, en soit, tu gagnes 5 000 quoi. En un trajet, tu rembourses ton camion plus 5 000. Ouais. Bref, bof. Bon, YouTube, on va s'arrêter là-dessus. Vous pouvez aimer, commenter, partager, abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Grom. À plus tout le monde. Plus, ciao.